Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tullet pour commenter cette rencontre. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Liverpool, qui a débuté sa saison par une victoire éclatante, espère bien continuer sur cette lancée. Et la tête ! Ça passe à côté d'un rien ! Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. En retrait pour repartir proprement. S'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Coup franc. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. S'appliquer sur ces coups francs, c'est vraiment mal joué. Il faut que ces occasions amènent le danger devant le but adverse. Et le ballon a franchi la ligne. Michael Dawson. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Belle passe lobée, il peut y aller. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Et quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Qui récupère ce ballon. Quelle passe. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Torrejón, qui, rappelons-le, a remporté le prix UEFA du meilleur joueur d'Europe l'an dernier, tout simplement. C'est joué long, attention. Le bon dribble, il joue dans l'espace. Bon dégagement, bien joué. C'est joué long. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Moreno, c'est bien écarté. Il met la tête. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Eriksen. Et nous voici bientôt à la mi-temps avec ce score nul et vierge. Huddlestone. Le jeu repart vers la droite. Et la touche maintenant. Il écarte, il joue sur l'aile. Et ce ballon vers ses attaquants. Allez, ça peut faire mal. C'est une occasion, ça. Oui, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais.
Les entraîneurs rentrent en action. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sous ce. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Une très longue passe. Quel tacle! Il a pris tout le monde de vitesse. Oh, le but! Oh, il aura fallu attendre, mais ils l'ont fait. Il intercepte le ballon, il tire, il marque. Eh bien, il fait tout seul, lui. Et ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Il centre de loin. La longue ouverture sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Chan. Joli, il ne fallait pas se rater. Régulière, il est battu, joli tacle. Toleron, qui est marqué de très très près. C'est bien normal, il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. David Myler. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. David Myler. Il glisse le ballon en profondeur. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. David Myler, qui choisit le côté gauche. Sans se livrer, c'est bien joué. Chan qui est récompensé de son pressing. C'est un bon ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Mais le cadre se dérobe largement. Quelques instants à tenir. Le bon tacle. Bon, c'était engagé, mais pas de faute. Sturridge. Lovren. Klein. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Et ils assurent l'essentiel avec la plus petite démarche, le plus important. C'est que la victoire est au bout. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le match et on se dirigeait carrément tout droit vers un 0-0. Et puis heureusement pour eux, ils ont trouvé la faille. Qui enferme